n'es plus la même personne. Et je veux te dire une chose. La chose qui fait que tu sois chrétien, mais que tu restes la même personne, c'est quoi? C'est pas la puissance de Jésus le problème. Le problème, c'est la manière dont tu crois en lui. Voilà pourquoi nous ne sommes pas tous délivrés avec la même vitesse. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la même foi. Nous ne croyons pas à ce puits de la même manière. Toi, tu seras délivré après 10 ans. Pourquoi? Ta manière de croire. Toi, tu crois que Jésus est celui qui délivre tout doucement, tout doucement. C'est comme tu veux. Mais il y a des gens qui croient que Jésus est capable de tout faire aujourd'hui. Ah oui, il y a des gens qui croient. Et donc, on n'a pas reçu la délivrance de la même manière. Mais Jésus, il est le puits. Lorsque tu bois de son eau, tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave de la masturbation. Tu n'es plus esclave de la rancune et du chagrin. Tu n'es plus esclave de ton passé. Tu n'es plus esclave de l'amertume. Il y a des gens qui s'habillent tellement bien, mais qui sont emprisonnés par l'amertume. Il y a des gens qui semblent bien vivre, mais qui sont emprisonnés par le chagrin. Jésus est le puits qui délivre du chagrin. Lorsque tu as Jésus, tu ne peux pas redevenir esclave. Si tu redeviens esclave, c'est que tu as choisi de rentrer en prison. Même le diable sait que si tu as Jésus et que tu deviens esclave, tu as choisi. Parce que même lui sait qu'il n'a pas le pouvoir de te retenir. Jésus est le puits qui est plus grand que le puits de Joseph. Ah, il est plus grand que le puits de Joseph. Il te donne un pain qui n'a pas de chagrin. Joseph, tu nous as donné le pain, mais le pain l'a eu un chagrin. Le pain avait le chagrin à l'intérieur. Joseph, tu nous as délivré, mais on a pleuré des années après. Joseph a délivré les pères pour que les petits-fils pleurent. Oh Jésus, quand il délivre le père, c'est pour que les enfants des enfants... Non, je vais le dire autrement. Je vais le dire autrement. Quand Jésus délivre le père, jusqu'à la millième génération, les gens sont libres. Jésus est le puits qui n'a rien à voir avec le puits de Joseph. Il n'est donc pas normal, mon frère, ma soeur, que toi tu sois, que tu aies le pain, que tu aies ce que tu recherches, et qu'en même temps tu sois esclave du mal, tu sois esclave du péché, tu sois esclave de la haine, d'un cœur noir, obscur. Jésus est celui qui donne de l'eau et vous délivre. Il est celui qui donne les eaux et vous change. Ah oui, vous n'êtes plus la même personne. Vous changez. Les gens vous regardent et disent, mais attendez, tu étais colérique, comment tu es devenu comme ça? Jésus. Yes, we praise the name of Jesus. Si tu n'as jamais rien vécu, tu ne vas pas comprendre. Mais si tu as déjà vécu un changement, tu comprends. Lorsque Jésus vient vous donner de ses eaux, c'est-à-dire vous croyez en lui maintenant. Parce qu'il y a une différence entre donner sa vie à Jésus et croire. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Simplement inscrit dans le livre de vie, mais vous n'avez pas la foi en Jésus. La preuve, c'est que vous ne croyez pas que Jésus est plus grand que votre péché. Il y a des gens aussi qui ne sont pas libérés du péché ou même des certaines douleurs au niveau de leur cœur parce qu'ils ne croient pas que Jésus est plus grand que toutes ces choses. Je veux vous dire une chose, la chose qui alimente le bourreau ou un bourreau, c'est la foi que la victime a. Le bourreau ne peut pas être fort sans la foi de la victime. Donc si toi tu crois que ton péché est plus grand que le Dieu en qui tu as cru, tu restes esclave. Mais si tu crois que Jésus est celui qui libère de l'adultère, tu sors de là et tu vis ta liberté. Et d'ailleurs, la femme avec qui tu commets de l'adultère va te demander, mais pourquoi tu ne m'écris plus? Ce qu'il y a. Et tu vas lui dire, je ne sais pas pourquoi je ne t'écris plus, mais je crois que je n'ai plus envie de t'écrire. Tu n'as pas besoin qu'un pasteur soit derrière toi pour ça. Oh my God, Jésus est plus grand qu'un pasteur. Il est plus grand que les hommes de Dieu. Jésus est plus grand que tout. Toi, tu as besoin que moi, je vienne t'exhorter sur ton péché. Jésus est plus grand que moi. Il t'a déjà dit, ne pêche pas, ça ne te suffit pas. Tu veux que moi, je vienne m'asseoir dans ton salon, prendre un thé et commencer à t'exhorter. Ma soeur, arrête le péché. Jésus a déjà dit, arrête le péché. Jésus est plus grand que nous. Comment tu n'écoutes pas Jésus, tu vas écouter un homme. Alors tu vois ce qui va se passer, c'est que tu ne vas pas abandonner le péché. Tu vas obéir à un pasteur. Et ça c'est mal. Je répète la phrase pour réchauffer. C'est très mal. Tu n'as pas abandonné le péché par obéissance à Jésus. Tu as obéi à un pasteur. C'est mal.
c'est très mal. Il s'agit ici de faire les choses par amour pour Jésus, pas par amour pour un pasteur. Je reprends. Ainsi que, afin que les esprits de je ne sais pas quoi quittent ce lieu. Tu n'es pas là pour plaire à un homme de Dieu. Tu es là pour plaire à Jésus de Nazareth. Que ton amen soit conséquent. Tu es là quand ton pasteur parle. Laisse cette copine. D'accord, d'accord pasteur, je vais abandonner la copine. Et puis tu fais des efforts parce que le pasteur a parlé. Mon Dieu, tu n'as rien compris. Rien du tout. Tu es à côté de la plaque. Il ne s'agit pas ici d'obéir à un pasteur. Il ne s'agit pas ici d'aimer sa femme pour parce que tu veux obéir au pasteur. Il ne s'agit pas ici d'aimer ton mari parce que tu veux obéir au pasteur. Il s'agit d'obéir à Jésus. C'est Jésus qui t'a parlé, ce n'est pas un homme. Jésus. C'est Jésus qui te rend meilleur. C'est Jésus qui t'améliore. Il se tient à côté du puits de Jacob. Il est là pourquoi? Parce qu'il ne voudrait pas que tu croies en lui pour rester le même homme. Avec le même langage. Avec la même haine. Avec ce cœur obscur que tu caches très bien. Mais Dieu sait que tu es comme ça. Le diable sait que tu es comme ça. Avec ce caractère qui dérange. Des fois même, tu travailles pour détruire les autres. Et tu sais le faire de manière très subtile. Hein? Très subtile. Tu travailles pour détruire les autres. Mais Jésus est venu. Le puits est venu. Le véritable puits qui te donne de l'eau vive. De l'eau qui te permettrait d'aller au ciel. Qui te donne une eau qui change, qui devrait changer ton cœur. Quitte le puits de Jacob. Tu vas quitter le puits. Quitte le puits de Joseph. Oh, la majorité sont sur le puits de Joseph. Jésus donne-nous, Jésus donne-nous, Jésus donne-nous. Écoutez même nos chansons, les chansons que nous chantons à l'église. Ce sont des chansons qu'il faut bannir des églises. Mais on les chante avec joie et on est content. Et ce qui est bizarre, c'est que vous verrez même des gens dire, je sens l'onction. Ah bon? Tu es sûr que tu sens l'onction ou tu es simplement dans des émotions? Il y a une différence. Hein? Tu es dans l'onction ou tu es dans des émotions? Ce n'est que la chair de poule parce que le clavériste est bon ou c'est vraiment l'onction? Des chansons de Alpha à Omega. Jésus donne-nous. Jésus donne-nous. Jésus, on veut partir. On veut monter. On veut aller en Europe. On veut aller en Chine. On veut aller en Chypre. On veut aller en Ukraine. On peut même ajouter, on veut aller à Dubaï. Voilà les chansons que nous amenons dans les églises. Je vous interdis d'amener ça ici. Bannissez ça de vos listes, de votre liste. Car ce n'est pas christocentrique, gardez ça pour vos moments de prière à la montagne. Ça doit être christocentrique. Tu crois que Jésus n'a pas ne sait pas de quoi tu as besoin? Moi je suis en train de te prêcher ici du haut de la chair, mais je sais de quoi mes enfants ont besoin. Mais je suis en train de te prêcher, mais je sais. Si je quitte la chair, je saurai exactement de quoi mes filles ont besoin. Tu crois que Jésus est un homme? Pourquoi tu viens dans la maison de Dieu? Tu passes tout ton temps à dire Tozo Mata, Tozo Kende, Tozo Simba, Tozo. C'est quoi? Le puits de Jacob. Le puits de Jacob. C'est le puits du gain. Le puits de Joseph plutôt. C'est le puits du gain. C'est le puits qui donne. Donne le pain, donne la gloire, donne la position. Le puits de Jacob, c'est le puits qui ne change pas les hommes. Le puits de Jésus, c'est le puits qui change les hommes. Donne-moi un amen correct. C'est le puits qui change les hommes. C'est le puits qui t'améliore. C'est le puits qui te délivre du péché. Qui te libère des chaînes anciennes. Qui te libère des blessures générationnelles. Il y a des gens dans cette salle. Monsieur, vous êtes violent tel que vous êtes. Je te choque, je te regarde. C'est toi que je m'adresse. Et je parle aux hommes. Vous êtes violent tel que vous êtes. Vous êtes tellement violent que vous ne le savez même pas vous-même. Parce qu'il faut savoir qu'une personne violente peut être violente sans jamais l'avoir manifesté. Mais un jour, ça va sortir. Et d'ailleurs, reconnaissez une personne violente par ses paroles. Un homme qui blesse est un homme en réalité qui peut taper. Vous êtes violent. Et pourquoi vous êtes violent, monsieur? Parce que votre père était violent. Vous vous rappelez comment il vous battait? Vous vous rappelez? Comme un animal, vous vous rappelez?
comment il vous battait sans regarder à gauche, à droite. Et lui aussi, votre père était violent parce que son papa était violent. Les blessures générationnelles. Donc au fait, vous descendez comme ça, violent en violent. Et même vous verrez que certains sont violents en parole. Même leur père est comme ça. Pour d'autres, c'est leur mère. La maman, elle est blessante en parole. Et vous êtes comme ça. Mais pourquoi vous êtes sur le puits de Jacob? Pourquoi? Pourquoi vous venez tout le temps dans la présence de Dieu et vous ne changez pas? Jésus a tout donné. Tout est accompli, c'est aussi pour changer. Et dans ma campagne, écoute-moi très bien, je t'assure. Tout est accompli, n'est pas seulement pour te donner des maisons. Tout est accompli, d'ailleurs, ce n'est même pas pour ça. C'est d'abord pour le ciel et ensuite pour le salut de ton âme. Tout est accompli, tout est accompli. Aujourd'hui, cette année, ma saison. Que ce soit aussi ta saison pour changer. Quand est-ce qu'on va apprendre dans ton quartier que tu commences à bien parler? Que tu as arrêté d'être aussi arrogant? Moi, ça m'étonne, hein? Non, je vais lui dire quelque chose. Jésus nous a dit. Toi, tu es arrogant comme ça, tu n'as rien. Mais tu es arrogant. Voilà pourquoi Dieu ne te bénit pas. Comment tu vas te bénir? Si déjà, tu marches à pied, mais tu es arrogant. Que Dieu te donne même une choupette, tu vas commencer à planer. Tu ne vas plus marcher, tu vas planer. Alors que tu es à l'église, tu écoutes Dieu. Et quand on parle des chrétiens, tu dis, ouh, moi je suis chrétien. De quoi tu... Jésus est venu chez cette femme samaritaine pour lui dire, il faut arrêter de venir toujours au même endroit. Il lui a dit ça d'ailleurs. Si tu bois ici, tu auras encore soif. En d'autres termes, il faut arrêter de venir au même endroit et de rester toujours comme tu es là. Tu ne fais que boire, boire, boire. Tu ne changes pas. Jésus n'est pas venu pour ça. Il est venu pour les malades, mais pour que les malades soient guéris. Il est venu pour les pécheurs, mais pour que les pécheurs soient purifiés, libérés. Toi, jusqu'aujourd'hui, tu aimes la pornographie. Jusqu'aujourd'hui. Mon frère, tu sais, il y a des péchés même qui sont dépassés. Non, je t'assure. Il y a des péchés même, malgré qu'il est péché, il est dépassé. Jusqu'aujourd'hui, 2022, toi, tu accrois à la pornographie. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Pourquoi tu regardes le sol? Regarde-moi. Tu regardes la moquette ici. Tu connais cette moquette? Faut me regarder. Qu'est-ce que tu regardes la porno là? Tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes un corps que tu as toi-même. C'est bizarre. Qu'est-ce que tu regardes? Et quelqu'un d'autre dit dans son cœur, maman, c'est pas la même chose. Ah bon? Eh, parce que je connais le cœur. C'est pas la même chose. Ah bon? Ça veut dire quoi? Ce corps-là, il est différent. Toi, tu as besoin de regarder ce corps-là. Il te plaît à regarder la nudité de quelqu'un. Quel plaisir il y a de regarder la nudité de quelqu'un d'autre. Et ce qui est bizarre, il y a même des gens, pendant que tu regardes là, tu sais bien que c'est mal. Alors tu es en train de regarder à gauche à droite. Tu surveilles le mouvement de qui? Pourquoi tu souffres? Pose un peu la question à ton voisin. Pourquoi tu souffres? Tu n'as pas demandé, surtout vous les jeunes là, vous demandez pas, mais c'est vous qui regardez. Pose la question au voisin, pourquoi tu souffres? On vous envoie, vous faites semblant ici. Pourquoi tu souffres comme ça? Tu es sur le puits de Jacob alors que Jésus est déjà venu. Même la femme samaritaine a jeté la cruche. Oh, we praise the name of Jesus. Jésus a dit à cette femme, amène-moi ton mari. Il dit, oui, tu as raison, tu n'as pas de mari. Tu en avais 5. Et même celui que tu as là n'est pas ton mari. Jésus est entré dans la vie de cette femme pour lui faire comprendre que maintenant je suis en train de métamorphoser ta vie. La femme a regardé, elle a dit non, ce que tu as dit c'est vrai. Lorsque vous arrivez à la fin, vous comprendrez que ce qui a amené cette femme à jeter la cruche, c'est qu'elle a réalisé que Jésus était plus grand que son péché. Donne un amen normal. Jésus était plus grand que son péché. La bouche qui avait embrassé plusieurs hommes est allée évangéliser. Elle a dit, venez voir, j'ai trouvé quelqu'un. Est-ce que tu ne peux pas dire, venez voir, j'ai trouvé quelqu'un? Tu ne peux pas dire, venez voir, j'ai vu quelqu'un. Il a changé ma vie, j'étais impudique, je suis devenu normal. Toi seulement les invitations. Nous avons trouvé un papier ici. Venez, venez à l'église. Hein, on a culte. Venez à l'église. Venez à l'église.
C'est pourquoi tu, les gens ne viennent pas et tu ne gagnes pas les âmes. Depuis que l'année a commencé, tu as gagné combien d'âmes? Tu ne gagnes pas les âmes. Pourquoi? Parce que les âmes sont gagnées d'abord par votre vie. Par votre vie. Cette femme est allée, elle a dit, hey, j'ai trouvé quelqu'un qui a fait quelque chose. Elle n'est pas allée dire, venez, on va aller d'abord dans une assemblée. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Ça va attirer les âmes au Seigneur. On prêche sur l'impudicité, tu dis on condamne les gens. On dit sors de l'impudicité, tu dis prédication de condamnation. Mais en même temps, regarde comment tu es devenu mon frère. Regarde comment cette impudicité a fait. Regarde ce que ça fait de toi. Même ta démarche a changé. Tu commences à marcher comme un homme fatigué, amorti. Comme un homme qui a 5 fois ton âge. Je parle. Il faut que je parle parce que quand tu aimes le péché là, tu savoures. Il faut qu'on parle. Mademoiselle, pourquoi est-ce que ton corps ne fait pas ton âge? Tu vois comment c'est que le péché t'a fait? Tu vois comment le péché a vieilli? Quand on te regarde, on te donne 30 ans, tu as 22 ans. Quand on regarde ta poitrine, on croirait que tu as des enfants. Tu n'as même pas allaité un enfant. On prend les femmes mariées qui ont des enfants, on compare avec toi, aucune commune mesure. Un garçon célibataire peut même confondre et dire, moi je vais épouser celle-ci. Papa, elle est mariée. Mais tellement de confusion. La femme mariée est tellement bien tapée, bien rangée, bien classée. Toi, tu es célibataire, tu n'as pas encore allaité même un seul bébé. Regarde comment tu es. Tout ça pourquoi? L'amour du péché. Alors que Jésus t'a déjà libéré. Tu es capable de vivre sans ces garçons-là. Tu n'es pas né avec lui. De toutes les manières, même quand tu dis, je ne saurais pas maman, tu sais, c'est dur, tout doucement. Aujourd'hui, tu es avec ton ex là. N'est-ce pas que tu n'as pas envie de le voir? Tu ne l'aimais pas. Regarde comment les visages ont changé. Directement, l'image de l'ex est venue. Regarde comment ton visage a changé. Automatiquement. Mon frère, tu vas sourire. Quand on te parle de ton ex ou pas, tu vas sourire. Tu l'aimais, non? L'amour s'allume, l'amour s'éteint. Surtout quand c'est un amour toxique. Tu dois tuer ça. Jésus t'a déjà délivré. Pourquoi tu restes comme ça sur le puits de Jacob? Tu es là comme ça, condamné. Ma soeur, tu n'es pas obligé de bouffer l'argent de ce monsieur-là pour vivre. Avant son argent, tu t'habillais. Donne un amen, tu as délivré. Avant de bouffer cet argent-là, tu t'habillais, tu mangeais, tu vivais. Si tu ne cherches pas à vivre la vie que Dieu ne t'a pas encore donnée aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut être délivré même de l'envie. C'est ça aussi le puits de Jacob. Le puits de Jacob vous garde toujours dans le même cœur, l'envie. Moi je te connaissais, tu étais un homme d'envie. Ça fait des années que je suis avec toi, mais je sais que tu es toujours envieux. Comment? Comment? Tu envies la vie des autres. Quand tu regardes une autre, un frère évoluer, tu veux avoir sa maison, tu veux avoir son standing. Mon frère, reste dans ton couloir et réjouis-toi de ta saison. Dans le monde d'aujourd'hui, malheureusement, nous les prédicateurs, nous ne vous aidons pas. Les chrétiens ne sont plus dans la satisfaction. Trop d'envie. Et on mélange ça à la foi. Oui, sale prédication de la foi. Mais c'est de l'envie. Oh non, les locaka. Il faut amona. Tu parles de qui? Tu es chrétien ou païen? Tu parles de qui? Tu veux être béni pour que qui voie quoi? Il y a même des chansons et des prières. Seigneur, agis qu'ils voient. Eux là, c'est qui? De toutes les manières, même le sorcier de ta famille, la plus belle victoire serait leur conversion. Et la conversion d'un sorcier ne vient pas parce que tu as acheté un âme. Les milliardaires que vous connaissez ne sont pas chrétiens. Ils ont les âmes que toi tu n'as pas. Donc ça n'effraie pas le diable ça. Il en donne à ses enfants des maisons et tout ce que vous voulez. Ce qui va amener un sorcier à la conversion, c'est ton caractère. Tu es sur le puits de Jacob jusqu'aujourd'hui.
Tu demandes des choses éphémères. Seigneur, donne-moi, alors que ton caractère a un grand problème. Il y a des gens que Dieu ne peut même pas amener au sommet. Si Dieu t'amène au sommet, tu vas avoir 400 femmes. Aujourd'hui, tu as la fidélité de la pauvreté. Dis ça à ton frère, il n'a pas entendu. Bon, si tu es une femme mariée à côté de ton mari, prépare-toi à la gifle. Il faut te préparer. Ce n'est pas moi qui t'ai envoyé. Je disais, c'est la fidélité. Tu n'es pas fidèle, frère. C'est la pauvreté. Tu n'as pas encore touché. Tu n'as pas encore changé de voiture comme des chemises. Arrive là-bas. Reste avec ta femme. Qu'on puisse te saluer. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir trop des ailes dans la vie. Moi, j'aime quand, par exemple, le pasteur Barou, tu peux se lever et dire, voilà, j'ai été seulement avec ma femme. Pendant combien d'années? Voilà les gens qui peuvent parler. Moi, tu as seulement 8 ans ici. Tu commences à... Tu as ton petit 15 ans de mariage là. Faut te calmer. La vie est longue. Laisse les hommes qualifiés là, comme le papa Barou t'y parler. 40 ans ou 50 ans? 50 ans. Avec ta femme, tu as du mal à regarder devant. Avec ta femme, tu as du mal à regarder devant. Tu es toujours comme ça. Et quand on te demande, c'est quoi? Non, chérie, j'ai fait tomber une clé là. Quelle clé? Tu n'as pas de clé, tu n'as même pas de voiture. Tu as du mal à regarder devant. Dès qu'une femme passe, il y a même d'autres encore qui sont encore plus méchants. La femme lui dit, mais chérie, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Quand pas de respect. Quand tu es seul, tu fais ça, mais quand je. Mais quoi? Je regarde les créatures. Mais moi, j'ai déjà entendu un homme dire ça. Ce sont des créatures du Seigneur. Regarde, où est le problème? Si je regarde, ça veut dire que j'ai touché. Regarde comment tu es sur le puits de Jacob jusqu'aujourd'hui. Et tu viens chez moi, tu dis, maman, il y a une promotion. Vous savez, sincèrement, je vais vous le dire aujourd'hui. Je vais vous révéler un tout petit secret. Parce que je ne peux pas tout révéler. Il y a des gens, même quand ils entrent dans mon bureau, ils me disent, maman, prie pour la promotion. J'ai dit, Seigneur, soutiens. C'est ce que tu as entendu dans le cœur. Seigneur, calme, 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 calme. Seigneur, empêche un peu, empêche un peu. S'il te plaît, empêche. Dans le cœur. Parce que je te connais. Si moi, humaine, je te connais, et Dieu, je te connais. Il suffit que Dieu te bénisse, la femme que tu regardes là. Peut-être que tu ne seras même pas adultère, mais tu seras insupportable. Parce que ton cœur n'a pas encore été travaillé à la gloire. Je dis, quitte le puits de Jacob. Quitte le puits de Jacob. Bois au puits de Jésus de Nazareth. Que Jésus améliore ton cœur. Sois meilleur, ma soeur. Sois meilleur. C'est possible de travailler avec Jésus et être meilleur. C'est possible que de désirer avoir un autre cœur et l'avoir. N'est-ce pas que la Bible dit désirer au don? Oui, au don le meilleur. Si tu peux désirer au don le meilleur, c'est que tu peux désirer aussi être une bonne personne. Dire au Seigneur, Seigneur, les hommes ne me connaissent pas. Même à l'église, là, Seigneur, toi, tu sais, les gens me respectent, mais moi, je me connais, je ne suis pas bon. J'ai un mauvais cœur. Quand je regarde Lionel, je l'envie. Quand je regarde le pasteur Marianne, je l'envie. Quand je regarde elle, je l'envie. Seigneur, toi, tu me connais. Aide-moi. Ce n'est pas l'heure des semblants. Jésus revient bientôt, mon frère. Non, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas l'heure des semblants. Où on vient à l'église, on rentre, on s'habille, on rentre, on se parfume, on rentre. Non! Jésus revient bientôt. Tu es toujours sur le puits de Jacob. Pourquoi? Tu es là. Si aujourd'hui on était venu au culte jusqu'à 11h, que j'étais resté à ma place, tu allais poser la question. Personne n'est prêt toujours. Il n'y aura personne. Tu seras même distrait. Tu serais même sorti de l'adoration en train de regarder la montre. Déjà, pourquoi il n'y a personne qui prêche? Il y a un visiteur. Toi, tu attends les prédications. Mais est-ce que les prédications t'ont changé? Tu empiles les prédications comme ça dans ton âme. Mais est-ce que ça te change? Le puits de Jacob. Le puits de Jacob est périmé. Nous ne pouvons pas rester sur le puits de Jacob. Nous devons boire à la source pure. Que Jésus t'amène à être meilleur. Et pour cela, tu dois le désirer et reconnaître que tu es mauvais. De rien.
Tu dois reconnaître que tu es mauvais. Je disais quelque part, je te le dis aussi, tu dois apprendre à reconnaître tes limites. Et que moi, ça, je peux le faire parce que j'ai un cœur comme ça. Mais ça, non, mon cœur n'est pas encore bon. Regardez comment aujourd'hui, on se gêne plus pour empoisonner les gens. On empoisonne les gens comme si c'était des arachides qu'on distribuait partout. Aujourd'hui, la mort, c'est pour maintenant les jeunes de moins de 30 ans. Les vieux avec des cheveux blancs attendent la mort, ça ne vient pas. Ce sont les jeunes qui s'empoisonnent en ordre et en désordre. C'est quoi l'envie, le cœur? On veut être comme l'autre. Ou alors, on ne veut pas être comme l'autre, mais on ne veut pas que l'autre arrive. Hein? Dis un peu à un voisin, c'est de nous qu'on parle. Il y a aussi cette forme de sorcellerie. Tu n'en vis pas, mais tu ne veux pas qu'un homme arrive là-bas. Quand tu le vois monter, tu dis pourquoi lui? Tu l'entends témoigner, pourquoi lui? Oh mon Dieu, cette sorcellerie est tellement à l'œuvre qu'il y a même des gens dans les églises qui refusent de témoigner. Et ça me choque. N'est-ce pas, pasteur Marie? Plusieurs fois, elle a reçu des femmes à la cité verte pour dire, non pasteur, je veux vous dire à vous et ta maman, mais on ne va pas témoigner. Comment on est arrivé à ce moment? Comment l'église du Seigneur, le témoignage renforce la foi des autres? Mais aujourd'hui, les gens ont peur des autres au point de ne pas témoigner ce que Dieu a fait. Et ce n'est même pas comme si Dieu avait donné $1 million. Non. Juste dire, par exemple, j'étais stérile depuis 17 ans, j'ai un bébé. Il y a quelqu'un qui dit, je ne témoigne pas. Parce qu'elle ne connaît pas les cœurs des gens. Comment voir ça? Il y a une dame. Ah, je suis attendue. Mon frère, il y a des gens qui ont tellement de mauvais cœurs. Ils ne veulent pas voir les autres sommes. Quand l'autre se marie, il dit pourquoi il s'est marié. C'était mon collègue. Vous êtes mes collègues. Et ça s'arrête là. Même les jumeaux ne se marient pas le même jour. Il ne faut pas mettre les gens mal à l'aise. Non, comment il a eu ce travail? Moi, j'ai un meilleur diplôme que lui, mon frère. La vie est longue. La victoire n'appartient pas. Merci. Il faut lire la Bible. Non, la victoire n'appartient pas aux plus agiles. C'est comme ça que tu vas remarquer. Je n'encourage rien. Je suis seulement dans l'équilibre. C'est comme ça que tu vas remarquer que le premier de la classe là, de l'école primaire peut ne pas être le premier dans la vie. Tu te donnes que dans la vie, mon fils Léonel a dit souvent, c'est son constat, son analyse. Tu vas remarquer que dans la vie, dans la société, tu seras même surpris de voir que celui qui était dernier là, c'est celui qui a une entreprise et qui engage le premier. C'est seulement pour rester dans un équilibre, pour dire, ne te fais pas, il ne faut pas te tromper par rapport à certaines choses. Tu peux avoir été premier, mais l'autre peut aller plus loin que toi. Tu peux avoir enseigné à ton ami les mathématiques, mais aujourd'hui, il peut avoir un plus grand salaire que toi. T'en amènes à mal, hein? Amel, il est boiteux. Tu peux avoir aidé ton frère à lire. Il ne savait pas lire. Tu l'apprends. Je suis tu. Mais aujourd'hui, c'est lui qui engage, qui t'engage et qui te paye. Mais il y a des gens qui sont sur le puits de Jacob. L'autre va loin. Pourquoi? Pourquoi il va loin? Et tu prends, tu l'empoisonnes. Mon frère, le sang qui est sur ta tête va crier jusqu'à ta mort. Donne un amen, mon frère. Parce que quand tu ne donnes pas un amen, c'est comme si tu as le projet d'empoisonner quelqu'un. Le sang là va crier sur ta tête jusqu'à ta mort. Et tu verras des choses horribles sur la terre. Quitte sur le puits de Jacob. Tu es chrétien depuis 7 ans, 8 ans, 20 ans, 30, 50 ans. Quitte sur le puits de Jacob. Quand tu entres en prière, ma fille, n'entre pas seulement pour dire Nabalaï. Tu es en train de courir là au bas là. Les mariés sont en train de courir pour sortir. Tous les jours dans le bureau là, ils sont en train de dire non, non, le divorce est un péché. Non, non, le divorce est un péché. Les mariés ont trouvé encore les mariés de cette génération incroyable. Donc ils lisent les versets à leur manière. Maman,
Ça, c'est un homme qui parle, hein, avec beaucoup de fierté. La Bible dit, maman, si ta main, ta main, je... Maman, cette femme, ce n'est pas une main. C'est un corps qui m'a mis au péché. Maman, je dois l'amputer. Tu dois l'amputer de quoi? De ta vie. Oui, maman, je dois l'amputer pour que je garde le ciel. Frère, voilà pourquoi quand tu choisis, choisis bien. Tu dois assumer tes choix à l'intérieur. Mon frère, quitte le bruit de Jacob. Même par rapport à ta vie professionnelle ou même à ton mariage, si tu quittes le bruit de Jacob, tu vas t'améliorer et la bénédiction de l'Éternel va t'arroser véritablement. Quand tu entres en retraite, dis aussi à Dieu, Seigneur, je suis venu ici en retraite, moi j'insulte tellement. Délivre-moi. Tu as grandi avec des insultes. On insultait ta tête. Toi, tu crois qu'aujourd'hui, tu vas... Maintenant, là, tu as des enfants. Tu vas faire quoi? C'est qui est bizarre. Tu dis, regarde ta tête comme ton papa. Mais c'est le mari là que toi, tu aimes. C'est lui que tu vas mettre sur Facebook là. Après, tu vas dire à l'enfant, tu as la tête comme ton papa. Mon frère, pas le bout de jardin. Jésus est venu nous libérer du péché. Il l'a fait, Emma. Lui seul. Bon, pourquoi tu restes là? Pourquoi tu restes dans le péché? Le diable aujourd'hui, la théologie du diable aujourd'hui, c'est faire croire aux gens que Jésus est venu comme le bruit de Joseph. Il va nous bénir. Il va nous donner. Togomata, togomata, togomata. Si je vous entends avec ça ici, tous ce soir. Tu veux percer avec moi? Dieu a dit à Samuel, parce qu'il est grand. C'était une question. Parce qu'il est beau. Parce qu'il est tellement intelligent. Parce qu'il est quoi? C'est question de cœur ici. Le cœur. Ton cœur n'a pas changé. Ton cœur, c'est à toi que je m'adresse. C'est question de cœur ici. Il a pris le cœur de David, il l'a mis sur un trône. Il n'a pas pris le visage d'un David blond, il a pris le cœur, il l'a mis sur le trône. Retiens et enseigne à tes enfants, c'est possible. C'est le cœur que Dieu positionne sur une chaise. Ce n'est pas le corps. Il a pris le cœur de Joseph, il l'a mis, c'est le cœur. Voilà pourquoi il a voulu aussi que Joseph passe son temps en prison pour guérir son cœur. Dieu localise les cœurs. Il ne te prend pas avec un cœur parfait. Il te prend avec un cœur qui veut. Ceux qui ont compris ont dit. Il te prend avec un cœur qui veut changer. Et parce que ce cœur veut changer, il va maintenant collaborer avec toi. Mais toi, tu préfères faire semblant devant nous. Faire le bon garçon, la bonne fille. Tu préfères faire avoir des allures ici de, je ne sais pas, je ne vais pas citer ici. Est-ce qu'elle me porte des plaintes? Tu préfères avoir des allures alors que Dieu ne t'attend pas là-bas. Mademoiselle, tu vois comment tu as bien arrangé tes cheveux pour venir au culte? Dieu veut que tu arranges ton cœur aussi. Ton chignon là que tu as bien tiré là, c'est bien. Mais il veut aussi que tu arranges ton cœur. Ton cœur a beaucoup de problèmes. Il veut te faire du bien cette année, mais il ne peut pas. Parce que tu ne peux pas évoluer avec ce cœur-là. Il y a des gens qui sont en face de moi aujourd'hui. Que Dieu m'aide à terminer. Il y a des gens qui sont en face de moi aujourd'hui. Vous êtes en train de m'écouter en présentiel. Si Dieu vous bénit, vous n'allez plus vous asseoir là. Vous n'allez plus vous asseoir là. Le dimanche, ça sera pour aller jouer au golf. Toi, ton grand-père connaît le golf. Fais pas semblant. Fais pas semblant, c'est à toi que je m'adresse. Enoch, ton grand-père connaît le golf. Surtout toi, Enoch. Ton arrière-grand-père connaît le golf. Tu ris, mais c'est la vérité. Il faut que je te dise ça comme ça. Parce que toi, tu aimes, c'est qu'on te dit seulement reçois. Non, non, non. On prêche pas pour prêcher. Ton arrière-grand-père n'avait jamais vu même la balle du golf. S'il avait vu ça dans son rêve, il allait peut-être croire que c'est lui.
Mais toi aujourd'hui, si Dieu, il te fait goûter seulement quelque chose, on va pas appeler ça bénédiction, parce que quand Dieu veut bénir, il scandalise. Il te fait juste goûter et c'est fini. Semaine à sec et non, tu maigrissais comme ça. Tu avais oublié que tu avais un cerveau. Dieu ne bénit pas parce qu'il connaît le cœur. Il dit non, celui-là, si je donne, je vais le perdre. Va vers le puits du Christ. Christ est un puits qui a changé Saul en Paul. Ah, we praise the name of Jesus. Christ est celui qui a changé le brigand à un homme sauvé. Oh, nous bénissons le nom de Jésus. Parce que pendant que je le dis, toi tu es en train de penser à tes tares. Christ est celui qui a pris une femme possédée de 7 démons. Elle a fait d'elle la première et la toute première, et je suis fier de le dire, la toute première évangéliste. Elle a évangélisé, et ce qui est magnifique avec ça, c'est qu'elle n'a pas évangélisé les païens d'abord. Elle a d'abord évangélisé les disciples. Même ces hommes-là qui se sentaient qualifiés ont été évangélisés par une femme qui était autrefois possédée par 7 démons. Elle est allée évangéliser. Elle a dit, la tombe vide. Une femme qui avait connu des hommes en ordre et en désordre. Une femme que certains hommes même évitaient parce que même les hommes la trouvaient sale. Mais c'est elle que Jésus a transformée. Elle savait que Jésus était plus grand que son péché. Jésus était plus grand que son impudicité. Jésus était plus grand que tous les démons qu'elle avait su. Alors aujourd'hui, ma soeur, ce n'est pas le culte où je te berce. C'est un culte où je te dis, change. Ne me dis pas, j'ai tout fait, je n'y arrive pas. Si tu le dis, c'est-à-dire que la croix a un petit problème. Il y a des failles. Or, la croix n'a pas de faille. C'est lui qui décide, arrive à changer. Le reste, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Dis à un voisin qui est à côté, va vers le puits de Jésus. Va dire à un autre, va vers la source de Jésus.